Bonjour, Kenway. C'est une jolie petite embarcation que tu as là. Je te sens un peu envieux, Hornigold. T'es jaloux? C'est parce que j'en ai une plus grande que toi? Non, c'est à cause de ce tabac jamaïcain. Je préfère encore l'espagnol. Alors, comme ça, tu t'es trouvé un joli petit brick. C'est bien. Mais je vais devoir t'apprendre à t'en servir. Et à donner l'assaut comme un vrai pirate. Satch, on te retrouve au vieux village de pêcheurs. Ouais. Où est ton timonier, Kenway? J'aime tenir la barre de mes navires, Ben. Ça tient l'essence en éveil. Allez, il est temps d'avancer, tu crois pas? J'ai pas besoin de tes leçons. On a fait combien de prises ensemble, du temps où on était corsaires? Il y a une sacrée différence entre participer à une attaque et la commander. On cherche des navires marchands, les gars. Des navires alourdis par leur cargaison. Faites gonfler la grand voile! Voilà une prise digne de ce nom. Parfait. Rapproche-nous! Une fois que t'as acculé ta prise, tu dois incarner l'autorité et imposer plus de respect que tu t'en accorderais à toi-même. Ça mettra les esprits faibles sous ton emprise. Les victimes doivent toujours avoir l'impression que tu peux exploser comme un diable et les ouvrir en deux comme des fruits mûrs. Tous les canons que tu voudras, et n'hésite pas à y rentrer dedans. Mais pour l'amour de Dieu, ne le coule pas. Pêcher une cargaison est chose pénible. Mais impossible. Le navire est immobilisé et prend l'eau de toutes parts. Alors fais taire tes canons. Et assure-toi de ne pas le couler. Tengo un buen día, señor. Je suis le capitaine Hornigold, et voilà mon équipage. Comme vous, nous sommes des marins, mais nos desseins sont bien différents des vôtres. Car nous entendons vous dépouiller de tout ce que vous avez. Mais il ne sera fait aucun mal à tous ceux qui sauront se montrer dociles. Est-ce que c'est clair? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. L'un d'entre vous parle ma langue? Personne? Oui, un peu. Dis à tes amis qu'on veut la cargaison et qu'on ne fera de mal à personne tant qu'ils seront immobiles comme des bancs de sable. T'as compris? Ah, pouvez répéter? Oh, nom de Dieu. Enfermez-les dans la cale et prenez tout ce que vous arrivez à soulever. Vraiment pas rassurant de naviguer avec autant de marchandises volées à bord. Va falloir t'y faire. Et il faudra bien d'autres prises pour que cette journée soit profitable. Donnez toute la toile! Donnez toute la toile! No!
capitaine. C'est là qu'il faut viser. Parez à faire feu. Huyé, perroquet, cacatois, bonnette. Tout le monde à la toile. Mauvais temps par là-bas, capitaine. Au navire de guerre. Capitaine, un coup bien placé à cet endroit. Abordez, capitaine. Andrés, carguez. Allez, ils vont bientôt goûter à nos lames. Belle prise aujourd'hui, Kenway. Encore une demi-douzaine comme celle-là et tu seras tranquille pour un an. Maintenant, on va vendre cette cargaison et récupérer quelques babioles pour ton jackdaw. Tranquille pour un an? Ce que je veux, c'est être tranquille pour toute la vie. Devenir le roi des Caraïbes. Si on a choisi de venir à Nassau, c'est justement pour échapper au roi. Alors, je serai un homme de propriété, plein de promesses. Mon Dieu, cesse de rêver, mon gars. C'est à Nassau qu'il faut vivre, pas en Angleterre. Tu ne rêves jamais de faire une prise légendaire. Un navire tellement chargé de richesses que tu n'auras plus jamais besoin de rien. Si, mais ce n'est qu'un rêve. Chacun espère trouver des dizaines de coffres de pièces d'or. Mais ils sont aussi rares que les rois honnêtes. Laissez passer l'occasion. Prêt à faire feu, capitaine. Capitaine, si on touche là, il ira par le fond. On va toucher. Elle est tout. Ils perdent rien pour attendre. Toute la toile! Là-haut! Déferlez! À vos voiles! Diminuez les voiles! À l'avant! Carguez tout sauf la grand voile! Tout va bien, capitaine? Serrez! Serrez! Carguez les bonnettes! Vivement! ¿En qué le puedo ayudar?